Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous parler des bubblegum. Par contre je vais essayer de vraiment approfondir le sujet au maximum pour vous donner une vidéo quand même qui sert à quelque chose et qui est différente des autres. Parce que sinon ça sert à rien, autant aller regarder la vidéo sur les autres. Donc je vais essayer de vous dire le plus de choses possible, essayer d'être le plus clair possible pour vraiment avoir un bon contenu, quoi. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, mais on va essayer quand même. Voilà, donc du coup on va commencer par les couleurs des bubblegum, pourquoi elles ont des couleurs. Bah en fait elles ont des spécifications, on va dire, chacune ont quelque chose au niveau de leur activation, au niveau du temps qu'elles durent, tout ça. Et aussi au niveau de leur capacité. Bon, pas totalement sur ça, mais surtout en fait c'est surtout sur l'activation des bubblegum, mais un peu aussi leur capacité. Donc du coup on va commencer par la couleur bleue. Donc en fait, tous les bleus sont des activations immédiates. Ça c'est sûr. Après, aussi, ce qu'il y a, c'est qu'elles durent dans le temps au niveau des manches. Donc elles peuvent durer 3 manches ou une manche. Ça concerne enfin, la plupart des bubblegums concernent les armes. Il y a juste une qui fait exception, qui concerne les atouts en fait. Que quand vous êtes réanimé, et ben vous avez un atout. Enfin, vous gardez vos atouts. Après, il y a les oranges qui sont soit des activations immédiates ou automatiques. Du genre, quand vous vous faites toucher, ça s'active grâce à ça. Elles sont personnelles, donc ça concerne que vous. Ça concerne vos atouts, votre corps ou une arme. Que vous achetez sur le mur. Après, vous avez les bubblegum vertes. En fait, elles durent, enfin, c'est des activations immédiates déjà d'une, et puis elles durent dans le temps, mais pas longtemps. Du genre une vingtaine de minutes pour celle-là, ou même 3 minutes, ou 1 minute pour les autres. Ça dépend lesquelles vous avez. Donc, c'est tout ce qu'il y a à dire sur les vertes. Et puis en dernier, vous avez les violettes qui sont le plus importantes, qui sont le plus nombreuses, on va dire, qui en fait sont activables quand vous voulez. Hein, vous activez sur la touche du haut, la flèche du haut, pour l'activer, vous l'activez vraiment quand vous voulez. Donc ça dépend lesquelles, des fois il y en a, c'est à prendre tout de suite, ou ça dure un certain temps, enfin ça dépend. Ça dépend lesquelles. Alors la plupart de ces bubblegum sont vraiment en multijoueur, donc ça va concerner tout le monde. En gros, par exemple, vous lâchez un atout, et ben vous le prenez bien sûr, voilà, vous prenez un mission max, ça va mettre un mission max à tout le monde. En gros, ça va servir vraiment à tout le monde. Alors il y a juste 2-3 bubblegum que soit ça fait pas, soit je suis pas sûr. Donc je vais vous les montrer. Donc en premier, il y a cette bubblegum que ça concerne que vous. Bon, c'est une petite exception, voilà, ça arrive, c'est comme ça. Après celle-là, je ne suis pas sûr aussi, enfin je ne suis pas sûr que ce soit pour tout le monde. Je vais essayer, on va voir ça dans la vidéo, donc vous verrez ça tout à l'heure si c'est possible ou pas, hein, je vous le dirai bien entendu. Après vous avez celle-là, que pareil, je ne sais pas si c'est pour tout le monde, donc pareil je testerai en multijoueur et je vous montrerai ça dans la vidéo tout à l'heure. Après il y a celle-là, c'est la même chose, je ne sais pas. Je vais voir ça et puis je vous montrerai dans la vidéo tout à l'heure si c'est le cas. Voilà, je vous le dirai, ça fonctionne ou pas. Donc comme vous voyez, hein, tous les autres, ça profite à tout le monde. Hein, par exemple, celui-là, ça arrête les zombies, ça profite à tout le monde, bien entendu. Voilà, donc là c'est pareil pour la caisse, enfin les caisses et les bubblegum, tout ça. Ça profite à tout le monde. Et voilà, donc du coup, c'est tout pour les couleurs. Du coup, maintenant, je vais vous montrer à quoi elles servent et qu'est-ce qu'elles font. Voilà. Du coup, on se retrouve tout de suite. Pour la première bubblegum. Alors juste un petit truc avant de vous montrer bubblegum, je vais vous montrer un petit truc juste comme ça, hein. Oh, ça fait toujours ça en plus. Alors là vous voyez derrière les bonbons, bah, y a rien du tout, il y a juste la couleur. Mais si on commence à aller dans les méga, là vous verrez que derrière il y a un truc qui ressemble à un vomi ou je sais pas ce que c'est, enfin bon un peu de couleur derrière, c'est différent. Et en fait, plus l'objet sera rare et plus ça sera beau derrière on va dire. Donc là vous voyez il est pas rare, il est normal, donc du coup c'est un petit côté vomi derrière, donc c'est tout nul.
Et là, si on va sur un rare, vous verrez que c'est des traits qu'il y a derrière, c'est déjà plus joli, un peu mieux. Et si on va sur ultra rare, c'est encore mieux fait, les traits sont pas blancs, sont de couleur. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ça vite fait. Du coup, maintenant, je vous montre les bugs. Activation immédiate, dure 3 manches entières. Vous visez et arrêtez de viser plus vite, et vous vous déplacez plus rapidement. Ico presto. Donc celui-là il sert tout simplement. Voilà, donc à viser vraiment plus vite. Hein, vous voyez, tout, on peut faire la teuf comme ça. Enfin bon. Et on peut aussi en fait se déplacer un. Bon, c'est léger, hein, voilà. J'ai envie de dire c'est léger, mais on peut se déplacer un peu plus vite. En bougeant, tout simplement, voilà. Voilà. Activation immédiate, dure jusqu'à la prochaine réapparition. Vous réapparaissez avec les armes que vous aviez à votre mort. Putain. Ah, donc là, l'arme de joie. Ouais, donc je le ferai après. Après avoir sauvé les gars de ça, je le ferai à la manche d'après. Et je vous montrerai à quoi ça sert. Voilà. Ouais, donc là, on se retrouve pour voir à quoi il sert. Donc vu que ces enculés, bah, ils arrêtent pas de me réanimer, je vais tout simplement me prendre une tête barrière en allant ici, voilà. Comme ça au moins ils arrêteront de faire chier. Et puis normalement dès qu'ils finiront la manche, eh ben, je pourrai tout simplement revivre avec mon arme. En espérant qu'en prenant une tête barrière, je revis avec mon arme. Sinon bah là j'ai le démon. Tout simplement. Ouais, finissez-moi cette manche là. Attends, on est manche 4, on vient d'avoir une bombe nucléaire, et puis il y a encore je sais pas combien de zombies, quoi. Mais enfin bon. Donc du coup, allez, là il y a un autre zombie derrière, attends, on s'en bat les couilles, finis la manche. Voilà, voilà, il le réanime. Voilà donc, et ben voilà. Voilà, ça a fonctionné. Donc bah voilà. On se retrouve pour la nouvelle Bubblegum. Activation immédiate, dure 20 minutes. Vous mettez plus longtemps à vous vider de votre sang. Ah, notre cher coaguant. Bon, vous savez quoi? Je vais aller à un endroit un peu improbable. Donc, du coup, on se retrouve tout de suite pour vous montrer à quoi ça sert. Bah, donc là, on se retrouve ici. Bah pour tout simplement en espérant qu'il... Ah donc faut pas aller plus loin que ça, c'est dans tête barrière. Donc en espérant qu'il nous voie pas. Donc moi je vais me suicider. Et puis on va voir ce que ça donne. Donc par contre je vais mettre ça en accéléré. Du coup bah je vais pas parler tout simplement. Eh ben putain! Waouh! Vous avez vu un peu le temps que ça a mis? Je sais pas combien de temps ça a mis, mais. Oh, j'ai. Waouh! Enfin, ça fait au moins je sais pas combien de temps que j'attends. Hein. Je pense qu'en rapide. Bah, de toute façon, je verrai, je vous l'écrirai. Hein, je vous mettrai combien de temps ça a mis. Je verrai en vidéo. De toute façon, quand je ferai la vidéo, je verrai combien de temps ça a mis. Et comme ça, je vous dirai combien de temps bah, ça a mis. Hein, voilà. Ça fait un peu beaucoup de ça a mis. Donc du coup bah ça met beaucoup de temps. Donc là comme vous voyez ils étaient là en galère, ils pouvaient pas me réanimer, enfin bon c'était assez marrant quoi. Ils étaient là putain, ils avaient qu'est-ce qui se passe et tout, enfin, bon ils arrivaient pas à me réanimer et tout. Et du coup bah et ben bah, c'est tout pour ce bonbon. Donc bah voilà. Activable, vous avez deux activations, 10 secondes à chaque activation. Les zombies vous ignorent pendant 10 secondes. Devant tout le monde.
Alors celui-là est pratique, mais il y a un petit problème, c'est qu'il est long à manger en fait. Donc du coup, bah... D'accord, il est mort, c'est génial. Donc du coup, en fait, ça vous sert justement à que les zombies ne vous voient plus. Donc on va l'utiliser. Voilà, donc vous voyez, hop, le temps que ça le mange, vous avez quand même 2 secondes, on va dire. Vous avez quand même 2 secondes, donc du coup, c'est assez chiant. Voilà. Activation immédiate, dure 3 minutes. Les munitions sont d'abord retirées de vos réserves plutôt que de votre chargeur. Depuis combien de temps ce truc est... Stock option, c'est parti. Donc, bien entendu, comme je vous l'ai dit juste avant, il s'est retiré directement les munitions qui est à droite. Et une fois que vous avez plus de munitions à droite, là, et ben, ça prend directement dans le chargeur à gauche. Voilà. Activation immédiate, dure jusqu'à la mort. Vous réapparaissez vers la fin de la manche en cours plutôt qu'au début de la manche suivante. Allez. Ah, cours de gomme impatience. Mais allez, arrêtez de dire n'importe quoi, j'en ai encore, mais ils sont cons les gens. Du coup, on se retrouve tout de suite pour voir à quoi elle sert. Du coup, je vous dis tout de suite. Là, donc, on va voir à quoi elle sert en. Voilà, donc on va se suicider. On va se suicider, puis on va voir à quoi elle sert. Allez, c'est parti, faites votre taf, les gars, là. Je sais même pas quelle langue ils ont, les mecs. Enfin bon. Voilà, donc là vous voyez, toujours manche 6. Et ben j'ai réapparu parce que c'est vers la fin de la manche. Donc ça sert tout simplement à réapparaître vers la fin de la manche. Bon, par contre, vous perdez vos armes, vos atouts, tout ce bordel quoi. Mais vous réapparaissez plus tôt quoi. Donc au lieu de réapparaître à la manche d'après, vous réapparaissez enfin, à la fin de la manche en cours tout simplement. Voilà. Donc voilà. Activation immédiate, dure 2,5 minutes. Vos attaques au corps à corps causent 5 fois plus de dégâts aux zombies. Coup d'épée, ça c'est bon ça. Donc du coup, coup d'épée, comme vous voyez, là je suis manche 6. Hein, j'ai pas la tout Windows Wine, donc c'est pas ça qui fait que c'est beaucoup mieux. Mais comme vous voyez là, ça va vraiment plus loin. Activable. 2 activations sont disponibles. Vous vous téléportez instantanément à un point aléatoire. Une explosion repousse tous les zombies à proximité pour vous protéger. Je dois faire gaffe. Partout sauf ici, allez c'est parti. Tu veux me choper, tu veux me choper? Eh ben non. Ça c'est bon ça. Donc du coup, bah voilà, hein, comme vous voyez, vous téléportez un peu là, un peu n'importe où. Donc c'est vraiment aléatoire. Ouh, dit. Ça c'est chaud, enfin c'est aléatoire mais sur les endroits où c'est déjà ouvert, bien entendu. Hein. Donc en gros vous ouvrez que ici là, que la première porte, ben vous irez toujours au spawn ici là. Voilà. Voilà. Activation immédiate, dure 3 manches entières. Vous êtes invulnérable aux explosions. Danger immédiat. Donc ça peut être pratique si on joue au laser et que... Ah des fois on se tire dessus. Bah c'est pour les explosions tout simplement. Hein, donc vous voyez, pas de soucis. Voilà. Il n'y a pas de soucis du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous retrouve maintenant pour prendre l'atout Quick Revive. Et comme ça on voit si ça nous tue ou pas en la gardant dans la main. Donc voilà, je viens d'acheter Quick Revive. Du coup je vais tester, hein. On va voir ce que ça donne. Ah putain, moi ouais, j'ai essayé en même temps de tuer des zombies. Je vais faire le kamikaze. Oh! Oh, j'aurais pas cru! Bah oui, j'ai bien fait d'y penser. Voilà. Eh, allez, boum, un truc en plus. Eh, ça, personne n'y avait pensé, ça. Voilà. On peut faire le kamikaze sans mourir. Franchement, les. Enfin bon, laisse tomber. Voilà. Activation immédiate. Dure 3 manches entières. Vous changez d'arme et récupérez plus rapidement après une attaque de corps à corps. Vous rechargez et utilisez les objets plus vite. Je vais éviter de me casser les dents. Opération de charme. Bon, bah je vous dis tout de suite pour récupérer une arme sur le mur. Voilà, j'ai récupéré une arme sur le mur. Et donc je vais vous montrer un peu comment ça va un peu plus vite. Bon, c'est de la merde, hein, clairement. Hein. Mais bon, bah, cas où. Hein. Vous avez vu comme ça change plutôt vite.
Vous êtes en galère. Hop là. Hop là, tu vois. Genre, oh, j'ai plus de munitions. Hop là. Bon, bon, ça sert strictement à rien. Par contre, quel objet c'est dispute, ça j'en sais strictement rien. Peut-être de boire une boisson, un truc comme ça, je sais pas du tout. Donc, voilà, voilà. Activation immédiate. Dure 3 manches complètes. Vous pouvez tirer en sprintant. Tout feu, tout flamme. Ça, c'est de la merde, hein, clairement. Je sais pas. Bon, je vais vous montrer, hein, mais. Voilà. À part faire genre. Je vais te buter! Enfin bon, y a rien de génial, quoi. Tu peux faire un truc marrant, tu peux faire genre. Je vais te buter, sale fils! Tu vois, ça fait un peu un tremblement, tout ça. Enfin bon, ça fait un peu le mec vénère. Je vais te. Enfin bon. Voilà, voilà. Activation immédiate. Dure 10 minutes. Vous rechargez plus rapidement votre arme spéciale. Bon, du coup, je vais vous présenter là, le bubblegum. Accélérateur d'arsenal. Donc là en fait, là je suis en train de vider la jauge. Et donc, du coup on va voir combien il faut tuer de zombies. Putain ils sont chiants. Donc on en a 112, ok. Donc on va voir la suite, on va voir combien on en a. C'est parti. Voilà, donc là j'ai fini, on en est à 163, putain ça fait beaucoup tout ça. Donc du coup ça fait 112, 50, 60, 50, voilà, 51 tout simplement. Donc 51 personnes zombies à tuer, c'est un truc de fou. Du coup on se retrouve tout de suite pour faire la même chose, mais avec le bonbon bien entendu. Voilà, voilà, donc là j'ai réussi avec le truc. Donc j'en ai 63, ça fait 40. Ça fait un peu moins de 40. Là si j'aurais été 40, ça aurait été 203, donc ça fait 38. Donc ça fait 38 au lieu de 51 zombies à tuer. C'est vite fait pourri, mais ça, on va dire ça passe. Voilà, on va dire ça passe. Bah du coup bah voilà hein, c'est fini pour ce bubblegum. Donc voilà voilà. Activation immédiate, dure une manche entière. Chance supplémentaire de pourcentage de vos probabilités sur votre AAT. Ah ça c'est bien ça. Donc bordé de nouilles. Donc bah on se retrouve tout de suite pour voir à quoi il sert. Voilà donc du coup alors on se retrouve devant le pack à punch pour voir à quoi sert ce machin. Merde putain hein, casse-toi. Donc du coup en premier lieu. Vous améliorez une arme. Et après avoir amélioré une arme, bah vous la raméliorez encore une autre fois. Donc là, moi j'améliore mes trois armes parce que bah, j'ai envie d'améliorer mes trois armes tout simplement. Et donc du coup, après, bah, on va prendre la Kuda. D'accord. Voilà, donc on va prendre la Kuda et on l'améliore une deuxième fois pour 2500 points. Et là, vous verrez que dessus, il y aura un petit bonus. Ouais, donc c'est infection moi. Ouais, infection c'est vraiment de la merde. Mais c'est pas grave, on va prendre ça quand même. Donc du coup alors en fait vous tirez sur le zombie. Et donc voilà. Donc là vous voyez ça fait infection. Et en fait si vous gagnez du temps, parce qu'en fait c'est assez aléatoire en fait. Les tirs qui provoquent ça c'est aléatoire. Et donc du coup, bah, quand vous gagnez du temps, que vous tirez sur un zombie et que vous gagnez du temps, que vous, par exemple, vous l'avez mis le capacité infection avant le temps normal,
Eh ben, ça veut dire que c'est grâce aux bonbons que vous avez que ça a fonctionné. Voilà, donc ça sert à ça en fait, à gagner un peu de temps, donc ça sert strictement à rien quoi. C'est juste pour avoir un peu plus de chance au niveau de la réaction. Tu vois, par exemple, tu auras plus de chance d'avoir d'infecté en tirant. Voilà, donc du genre par exemple, là j'aurais eu le bonbon là. Enfin, ça ferait ça un peu plus souvent quoi en gros. C'est parce que des fois tu peux tirer dans le tas, il n'y aura personne. Alors qu'avec le bonbon, tu auras plus souvent de la chance d'avoir des gens comme ça infectés. Donc voilà, c'est tout pour le bonbon. Voilà. Activable, 2 activations disponibles. Tous les zombies vous pourchassent pendant 10 secondes. Ah, donc là je viens d'avoir visible ou pas. Donc du coup, je vais vous montrer à quoi ça sert. Donc là j'amène les zombies là-bas, là où il y a tout le monde. Comme ça au moins on va voir que ça reste, enfin qu'ils viennent vers moi quoi. Donc là vous voyez, il le suit, et puis là, hop, ils viennent vers moi. Donc vous voyez que ça peut servir des fois si jamais ils sont dans la merde. Ah, vite, 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 et hop, c'est bon quoi. Donc je vous remontrerai quand même une deuxième fois. Parce que là ils ont tout tué, donc du coup on n'a pas pu bien voir. Donc vous voyez, là, il me suit au lieu d'aller voir les autres. Hein, donc bon, bah là je suis mort comme une merde, mais bon, c'est pas très grave ça. Donc vous avez vu l'essentiel. Donc du coup, voilà. Activable. 2 activations disponibles. 60 secondes à chaque activation. Quand vous accumulez 10 points, ces derniers sont convertis en une munition ajoutée aux réserves de l'arme actuelle. Allez, antithèse alchimique. Juste avant d'avoir une munition max, c'est parfait. Ouais, donc en fait, cet atout, il vous sert à avoir des balles en faisant des points. Donc avant le patch, dès que vous tiriez sur les zombies, vous gagnez des points et en même temps des munitions. Seulement maintenant, bah vous gagnez juste des points quoi. Donc vous voyez hein, quand on tue les zombies, par rapport en fait tous les 10 points, voilà, on gagne une munition. Donc c'est un peu en fait un mission max mais amélioré, mais perso en fait hein, donc quand on est tout seul quoi. Voilà, donc en gros dès qu'on est à 4, ça donne pas ça, enfin ça fonctionne pas pour les autres quoi. Donc voilà. Activation immédiate, dure 3 manches entières. Vous conservez tous vos atouts après avoir été réanimé. Ah, c'est parti. Donc du coup arrière-goût, donc on se retrouve tout de suite pour on va tout simplement, on va pas se faire chier bien longtemps hein. On va pas faire une coupure, on va vite fait activer cette merde. Oui, vite fait oui. On va faire ça. Hop là, on a assez de points. Et là, on va faire. Et les zombies, j'ai besoin de toi. Il va faire quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Et puis là, il va venir nous tuer. Il va faire, tiens, je t'emmerde. Et puis là, il nous tue. Et qu'est-ce qu'il y a? Et ben, on garde notre. Courir vite, on va dire. Voilà. Marathon, je sais pas quoi. Enfin bon. Voilà. Par contre, on garde pas notre. Notre réanimation rapide. Voilà. Oui, donc juste pour info, en fait l'atout là, donc le truc pour récupérer tous ces atouts sauf réanimation, il fonctionne en multijoueur. Voilà. Et normalement, je crois qu'en multijoueur, tu récupères aussi l'atout réanimation rapide. Voilà, donc c'était juste pour info comme ça. Activation immédiate, dure 2 coups. La prochaine fois que vous subirez des dégâts de corps à corps, les zombies à proximité s'enflamment. Ouh, retour de flamme. Donc il y a un défi à faire avec. Qui est de tuer 500 zombies je crois avec ou un truc genre. Donc du coup en fait faut que... que le zombie vous tape une fois. Et en gros les zombies pourront pas, même si vous allez dans un tas de zombies, ils pourront pas vous taper plus qu'une fois. Ils vont tous mourir. Donc ce sera juste une tape, après ça va les stopper, ça va les tuer en les cramant en fait. Et donc on va voir ça tout de suite. Voilà. Donc là j'avais qu'un seul zombie, mais si vous avez des zombies autour, dans une large zone quand même, hein, ça va très loin, ça les tue aussi. Donc voilà. Activable. 2 activations disponibles. Vous obtenez un bonus bombe nucléaire. Donc du coup la bubblegum mort d'hiver, c'est parti. Et ben tout simplement, hein, ça met une bombe nucléaire. Mais bon. C'est de la merde, bombe nucléaire. Ouais, voilà, hein. Boum boum.
Voilà. Activable. Deux activations disponibles. 60 secondes à chaque activation. Votre arme actuelle devient une arme sacrée punch. Amélioration éphémère. Donc du coup, pour amélioration éphémère, donc en fait, ça améliore votre arme que vous détenez dans la main. Donc si vous changez d'arme, eh ben, l'autre arme ne sera pas améliorée, bien entendu. Et par contre, j'ai eu confirmation, parce que je l'ai fait en multijoueur, et en fait, ça n'améliore pas les armes des autres. Ils m'ont dit non, notre arme n'est pas améliorée, tout ça, donc c'est un peu dommage. Moi, j'y aurais pensé que ça fonctionnerait, mais malheureusement, ça fonctionne pas. Donc, comme vous voyez, hein, ça améliore l'arme que vous avez dans la main. Donc là, avec celle du début, on fait du dégât. Hein. Donc voilà. Activable. Une seule activation disponible. Vous obtenez un bonus aléatoire. Boum, la chance me sourit. Alors, ça c'est... Oh merde, dommage. Bon, ça c'est plutôt aléatoire. Donc c'est pour avoir un atout en fait, enfin un bonus. C'est pour avoir un bonus aléatoire. Donc ça peut être n'importe quoi, hein, voilà. Donc ça peut être du charpentier, ça peut être du x2, ça peut être du munition max. Ça peut être du braderie. Ça c'est pas mal ça, le braderie. Non, moi j'ai déjà fait. Ah, mais on en a que deux. Ah, je croyais qu'on en avait trois. Bah c'est pas grave. Enfin bon, voilà, on peut avoir deux bonus aléatoires. Voilà. Activable. Trois activations disponibles. Vous obtenez un bonus braderie. Ta-da-da. Liquidation, immolation, c'est quoi ça veut dire? Immolation, ça veut dire quoi ça, franchement? Bon, bah alors, très simple, on va passer la manche. Hop là. Et là. Eh ben, disons que nous avons pas le 5, il nous reste que 10 points. Eh ben, on fait ça. Et là, qu'est-ce qu'on n'a pas? Un petit braderie. Et là, attention. 10 points. Et ouais, ça fonctionne aussi sur les bubblegum. Activable. 3 activations disponibles. Vous obtenez un bonus charpentier. Entrepreneur agréé. Et on va dire. Je suis un entrepreneur, les gars, c'est pas bon ça? Allez, c'est parti. Oh non! Il y a une ouverture. Allez, fermons ça avec un marteau. Ah putain, c'est trop bon ça. Ah donc, hein, vous en avez droit, tout ça. Ça sert tout simplement à fermer ces trucs pour bloquer les zombies pendant allez, une dizaine de secondes, grand max. Suivant la manche que vous êtes. Donc voilà. Activable. Une activation disponible. Vous réanimez tous vos coéquipiers. Vos coéquipiers conserveront tous les atouts. Ah, Phoenix. Bon, on est que manche 3. Bon, il y en a un qui va bientôt mourir, mais malgré tout, j'ai envie de dire, on se retrouve quand quelqu'un meurt. Voilà, donc là on se retrouve, donc là ils vont aller le sauver, c'est bon. Je vais le sauver avant. Voilà, donc ça sert à ça. Petit troll, c'est bien marrant. Donc en fait ça sert à sauver les gens à distance, on va dire. Voilà, c'est un peu de la télépathie. Donc voilà. Activation automatique lorsque vous vous faites toucher au corps à corps par un zombie. 5 activations disponibles. Les attaques au corps à corps produisent une décharge électrique qui électrocute les zombies à proximité. Depuis combien de temps ? Choc pop. Alors ça... Bon, en gros, très simple, hein, y a un zombie. Bah, attends, vous savez quoi, il n'y a pas assez de zombies là. Ce que je vais faire, c'est que je vais finir la manche et puis on se retrouve tout de suite pour vous montrer à quoi ça sert. Ouais, donc là, on se retrouve pour la suite. Donc en fait, dès que vous cutez un zombie, tous les, enfin pas forcément tous, mais ceux qui, les zombies qui sont à côté, ça fait un bon petit paquet quand même, un peu comme la Wonder Waff. En fait vous les cutez et là, hop, ça tue les zombies qui sont à côté. Donc pas toute une vague, mais quand même pas mal de zombies. Donc voilà. Activable, 2 activations disponibles. Les armes sont mélangées dans une boîte magique après activation. Ah, nouveau tour. Donc du coup j'ai eu confirmation que ça ne fonctionne pas en multijoueur, hein, donc enfin en gros vous pouvez pas faire tourner les boîtes des autres, que les vôtres. Donc bon bah c'est pas grave, hein. C'est comme ça, hein, de toute façon aussi ça aurait été chiant, le mec en ligne il se fait tourner ta boîte, t'as le démon quoi, t'avais le laser ou quoi que ce soit, enfin bon.
Donc, on se retrouve tout de suite pour ouvrir une boîte et voir comment ça fonctionne. Ouais, donc là on se retrouve pour ouvrir une boîte. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, quand c'est qu'on peut l'activer? Ouais, faut vraiment attendre que en fait l'arme soit là, quoi. Donc là vous voyez le contrebandier, bon c'est pas mal, hein, mais moi j'ai pas envie de l'avoir. J'ai envie d'avoir genre du laser, tout comme ça. Ou les Lilarni même. Donc on va voir s'il y a ça. Et là, ah Locus, franchement c'est pourri. Du coup je relance. Bah pas besoin d'être devant, hein. Faut être loin, mais faut être à l'autre bout de la map, ça fonctionne. Oh les unicères, hein, ça passe bien. Voilà. Bah, de toute façon j'ai plus de bonbons donc je suis obligé. Voilà, donc c'est plutôt pas mal si jamais vous voulez éviter de dépenser des sous pour rien quand vous êtes en bas manche. Bon après voilà, c'est sans plus quoi. Ça aide vraiment juste au début au cas où, mais ça sert pas à plus que ça. Donc voilà. Activation automatique quand vos atouts sont au maximum. Le joueur peut acheter un atout supplémentaire. Assoiffé. Moi j'ai envie de dire qu'on se retrouve tout de suite pour voir ses effets. Allez, à tout de suite. Du coup, on se retrouve pour savoir si en prenant le quatrième atout, donc le dernier atout possible à prendre, on débloque la cinquième place. Donc on va voir ça tout de suite. Et au passage, un petit liquide divinium. Alors là, non, donc on est obligé d'en prendre un cinquième, donc on va le chercher tout de suite. Et juste à côté. Et comme ça, on va voir ce que ça fait. Moi je pensais que dès que tu prenais le quatrième, boum, ça te débloquait le cinquième, mais ben non. Donc bon, il faut allumer, putain. Voilà. Donc du coup, voilà, donc ça débloque tout de suite et on peut le boire. Par contre, après, on peut pas en boire un sixième, sinon il faut reprendre une autre bubblegum. Voilà. Voilà, donc comme là, comme vous avez pu vous apercevoir, j'ai eu un autre assoiffé là. Et on peut avoir un sixième atout, bien entendu aussi un septième. Donc ça fonctionne aussi sur la carte The Giant, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, voilà. Activable. Deux activations disponibles. Vous obtenez un bonus point double. Qui tient les scores? Un petit x2. Donc ça peut être pratique des fois si vous voulez faire un peu de points. Oh, les zombies, putain ils sont morts. Donc, vous l'activez hein, tout simplement. Là il y a un x2 qui apparaît. Puis vous faites des points. Hop, donc vous voyez hein, je gagne deux fois plus de points. Charpentier, au lieu de gagner 200, je gagne 400. Voilà, donc là je les cut, je gagne 260. Donc, c'est plutôt pratique. Voilà. Activable. Une activation disponible. Vous obtenez un bonus munition max. Un cachotterie. Un petit munition max, hein, tout simplement. Hein. Oh là là. Donc, on l'active. Là, bah, de toute façon, ça tombe bien, j'ai plus de balles. On l'active et là, nous avons des balles. Voilà, donc vous connaissez sûrement le munition max. Donc après, hein, vous profitez. Hop, vous utilisez vos munitions, de toute façon, ça sert à ça. Donc, voilà. Activable. Deux activations disponibles. Vous obtenez un bonus mort instantanée. Alors, rabat-joie. Elle est pas mal celle-là. Rabat-joie. Bon bah c'est ce que je viens d'avoir juste avant en atout. Enfin un bonus. Donc du coup ça sert à faire spawner un mort instantané. Voilà. Et du coup, hop, vous le prenez et là, coup de couteau. Puis le mec, bah il meurt en un coup, pas de soucis. On aurait ça en multijoueur, ça ferait carnage. Donc, voilà. Donc là, je viens d'avoir deux fois le même bonus d'affilée. Donc, vous voyez que c'est possible. Je viens d'avoir, enfin j'avais juste avant, alors, je venais de prendre mort instantanée, enfin le rabat-joie là. Et puis qu'est-ce que j'ai pas juste après là? Vous avez vu que j'avais encore. Je le prends et tout de suite après là, boum. Rabat-joie aussi. Donc, vous voyez que c'est possible d'avoir deux fois de suite le même. En très peu de temps aussi. Donc, voilà. Activable. Une activation disponible. Vous obtenez un atout gratuit. On rase gratis. Alors ça c'est...
on va dire un sous bubblegum par rapport à celui qui donne les 7 atouts. Donc, par contre, ce qui est bien avec celui-là, c'est que ça donne un atout, mais vraiment à tout le monde. Par exemple, vous êtes 4, et ben les 4 joueurs auront un atout. Par exemple, si vous avez 4 atouts, et ben vous en aurez un cinquième. Si vous en avez 5, vous en aurez un sixième, enfin ainsi de suite. Donc, avec ça, vous pouvez avoir 6 atouts par exemple. Vous voyez, hein, on peut avoir n'importe quel atout. J'ai Windows Wine. Pas forcément le meilleur des atouts, mais bon, c'est déjà bien. Ça peut aider des fois à bloquer les zombies dans les hautes manches. Mais bon, sinon, voilà quoi. Donc, voilà. Activation immédiate. Dure jusqu'au dernier achat d'armes sur un mur. La prochaine arme achetée sur un mur obtient les bonus de sa version Sacré Punch. Ah, prise murale. Bon, bah, on va prendre une arme, hein. Qu'est-ce que je vous dis alors? Où êtes-vous? Voilà. Si je sais pas viser aussi. Donc, voilà, on va prendre par exemple celle-là. La petite Cheva. Améliorée. Oh, mais tu vas tirer dans la tête. Tu te fous de ma gueule là. Voilà, donc vous voyez, hein, ça, elle est améliorée. Et vous pouvez même la réaméliorer une fois dans le pack à punch pour avoir par exemple cabochettes, tout comme ça, hein. donc c'est bien compté comme une vraie amélioration, tout ça, comme si vous l'avez passé avec pack à punch. Seulement vous pouvez le faire que sur les murs, hein, pas caisse, rien du tout d'autre. Donc voilà. Activable. Une activation disponible. Tous les zombies se fichent pendant 20 secondes. S'ils se font tirer dessus, ils seront éliminés à la fin du délai. Temps à tuer, ah, ça c'est bien un bubblegum de merde ça, hein. Donc en fait, par exemple, imaginez vous êtes envahi, vous savez pas quoi faire, oh putain c'est la merde, et ben là vous faites ça. Et puis tada. Donc c'est assez marrant, mais bon, ça passe. Bizarrement ça la tue pas là, ce que c'est délire. Enfin bon. Donc vous voyez, ça arrête le temps. Alors il y a juste les bouboules qui elles bougent encore. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça, hein. Donc les boules bougent encore, ça les arrête pas. Donc voilà. Ah, là ça l'a tué, ça m'a donné 50 points quoi. Non mais waouh, génial. Alors j'ai donné un coup de couteau, hein. Enfin bon. Donc voilà. Activation immédiate. Vous obtenez tous les atouts de la carte. Ah voilà, accro aux atouts, donc ça s'active directement. Et là vous voyez que j'ai eu les 6 derniers atouts, parce que j'en ai déjà eu un. Et du coup ils m'ont donné les 6 derniers qui restaient. Du coup c'est pas mal, mais le problème c'est que ça fait que pour vous quoi. Donc par exemple les autres ils auront rien du tout. Donc c'est du perso, c'est du mode juif quoi, tout simplement. Voilà. Ah, donc du coup je vais vous montrer quand c'est qu'on perd les bubblegum, et quand c'est qu'on les perd pas. Donc déjà je vais commencer par me suicider pour voir si on les perd. Donc là pour l'instant on n'a pas l'air de la perdre. Donc si vous la perdez c'est que c'est un bug. Hein, tout simplement, donc voilà, vous voyez là on la garde. Donc si vous la perdez c'est un bug, c'est, voilà, ça peut arriver des fois, hein. Après je vais vous montrer que en prenant une autre, et ben ça la remplace, malheureusement. Ouais. Vous voyez, hop, là je la prends, puis il la mange et puis ça la remplace. Bon voilà, c'est comme ça. Après je vais essayer de me suicider aussi, mais en multijoueur, pour voir si on la perd, on sait jamais des fois, hein. Donc du coup là vous voyez que je l'ai pas perdu, donc heureusement. Et puis après on va voir si qu'en l'utilisant, et bon, on va la perdre, ouais, logiquement. Donc voilà, vous voyez, j'ai utilisé la mienne, hop, elle arrive à la fin de son temps et je la perds. Donc des fois ça dépend de l'utilisation, mais c'est suivant l'utilisation. Par exemple des fois c'est automatique, des fois c'est en faisant une action. Donc voilà, c'est comme ça que vous pouvez perdre votre bubblegum. Donc du coup c'est tout pour ces bubblegum. Donc là c'est la fin de la vidéo, hein. Donc j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que vous aurez aimé tout ce que j'ai fait. Ça a été extrêmement long, mais c'est un truc de fou. J'ai mis au moins 3-4 jours à le faire, c'est assez énorme. Faut dire aussi la vidéo dure quand même 40 minutes, enfin bon, c'est un truc de fou. Donc du coup, j'espère que vous aurez aimé, j'espère que ça vous aura bien aidé, que ça aura plu, que c'est plutôt complet, hein. J'ai essayé vraiment de mettre le maximum. Du coup, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao!
Seulement, non, j'ai touché. J'ai touché. Au début, c'était cool, mais. Mais j'ai pas mangé. Ça m'a énervé. Mais non. J'allais. Heureusement. Hop, toi, tu que j'avais pas le micro pour enregistrer ce moment-là, parce que je crois que vos oreilles. Vous êtes méchants. Je crois que vos oreilles.